Eh bien, je m'appelle Stéphane Debac, je suis acteur et je travaille, je vis de mon métier depuis plus de 20 ans, peut-être 25 ans. Ouais, ça, on commence à compter en, voilà, en deux, plus de deux décennies, c'est comme ça. Et t'as fait quoi comme formation? J'ai fait des cours très tôt parce que jeune, j'ai rapidement su ce que je voulais faire. Donc j'ai vite fréquenté des cours, comme beaucoup, des cours amateurs, des ateliers théâtre quand j'avais, enfin adolescent, entre 12 et 15-16 ans. Et ensuite, j'ai fait le conservatoire à Lyon juste avant qu'il ferme ses portes. Et puis, un de mes professeurs d'un autre cours m'a fait rentrer dans leur compagnie. J'avais 18 ans. Et je suis parti en tournée avec eux pour jouer une espèce. À l'époque, c'était un spectacle qui s'appelait Caravansérail. Et je jouais une espèce de Méphistophélès très juvénile. De fait, j'avais 18 ans. Donc voilà, j'étais le Benjamin de cette troupe et j'ai appris le métier avec ces gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi à l'époque, naturellement. Et ensuite, j'ai quitté ma province, Lyon en l'occurrence, pour m'installer à Paris. Et là, j'ai fréquenté les cours Simon, les cours Andreas Voutsinas. On travaillait en anglais, c'était assez chouette. Et puis j'ai commencé à travailler. Voilà. Est-ce que tu continues à te former, à apprendre des choses, à faire des stages? Alors, des stages, non. Je suis pas très client de ce genre de truc. Mais en revanche, me former, oui, mais c'est la vie d'acteur. C'est-à-dire que se former, être acteur, c'est pas forcément aller se frotter à un metteur en scène dans le cadre d'un stage. C'est juste une façon d'être. C'est la curiosité, c'est une façon de regarder autour de soi, de regarder le monde, de regarder d'être sur une situation, de l'imprimer, d'être curieux, de lire, de voir des spectacles, d'aller voir des expositions, de revoir des expositions. Même 10 ans après, dans des musées où les œuvres, elles, n'ont pas bougé, et vous avez changé, donc votre regard par rapport à l'œuvre n'est plus le même. C'est plein de choses comme ça, mais qui sont, je sais pas si c'est vraiment lié au travail d'acteur, mais c'est comme ça que j'avance. Et puis à chaque film ou à chaque tournage, on se remet en question à 100%. Il y a très peu de, comment dirais-je, d'acquis dans ce métier, donc on apprend tout le temps. Au contact des autres metteurs en scène, contact de nouveaux partenaires, voilà, ça ne s'arrête jamais. Et qu'est-ce que tu trouves le plus facile dans ton métier? Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Ben, le plus facile, incontestablement, c'est de jouer. Il n'y a pas. Voilà, c'est pour moi, hein, ce qu'il y a de plus simple et de plus cohérent, c'est ce qui se passe entre le action et le coupé. Et ce qu'il y a de plus difficile, c'est tout le reste. C'est l'idée que justement, c'est qu'il n'y a pas de, enfin, il y a pas d'acquis, il n'y a pas de certitude dans le parcours d'un acteur. On n'est sûr de rien, c'est très, très friable tout ça. Quel que soit le niveau, quel que soit le niveau de carrière, entre guillemets, ou de notoriété ou quoi, pour des gens qui sont des très très connus ou pour des gens qui font leur métier humblement sans être connus du grand public, c'est la même problématique, je crois, à peu près. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on remet tout en question à chaque fois. C'est la grande différence entre des métiers normaux et le métier d'acteur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que quand 10 acteurs sont proposés ou imaginez pour un rôle, eh bien, quoi qu'il arrive, il y en aura toujours 9 qui n'auront pas le job et un qui aura le rôle. C'est dans l'essence de ce métier, c'est comme ça, ce métier est ainsi fait. Donc ça, c'est pas que c'est difficile, c'est juste que c'est tout le temps comme ça, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre position dans ce métier. Donc c'est, voilà, quand vous avez, je sais pas, vous faites des longues études, vous avez un diplôme, vous faites un entretien d'embauche, un deuxième, un troisième. Bon, bah, vous pouvez rentrer dans une société et comme ça durer quelques décennies au sein d'une boîte, grandir, évoluer, si les choses se passent bien. Hein. Si aujourd'hui, c'est évidemment moins facile que ça. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas d'acquis. Et c'est bien aussi, moi, c'est ce qui me plaît paradoxalement,
C'est un métier qui est très, très hiérarchisé. Mais pour autant, quel que soit le niveau, que tu fasses 3 jours sur un film ou que tu aies le premier ou le second rôle, 2 ans plus tard, c'est la même chose. Tu dois plaire au même titre que pour jouer 3 jours ou pour être le prochain premier rôle de je ne sais quel film. Alors évidemment, même confort, tout est différent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'acteur au sens vraiment très simple et basique du terme, c'est ça. C'est recommencer à chaque fois. C'est le mythe de Sisyphe. C'est voilà. Quand tu es au théâtre le soir, eh bien, le rideau se ferme. Si tu as été magique, c'est super, mais le lendemain, il faut repartir à zéro. Et les gens qui te regardent sont vierges de ton succès de la veille. Il faut recommencer. Et que tu sois celui qui soit en haut de l'affiche dans le spectacle ou que tu sois celui qui dit 2 phrases en entrant et en sortant. Ce qui est paradoxe, d'ailleurs, est beaucoup plus dur à faire. Mais bref, voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais à un acteur qui démarre dans ce métier, à un jeune qui veut faire ce métier? C'est compliqué. C'est souvent ce métier est fait beaucoup de hasard. C'est un métier de hasard, de bande. Parfois, il y a des. Moi, je n'étais pas dans une bande. Je l'ai regretté, par exemple. Enfin, je l'ai regretté. C'est sûr. Je n'étais pas dans un cercle de potes, de machin, où on a grandi ensemble. Voilà. Et je trouve ça formidable. C'est un petit regret que je peux avoir, où je me dis, c'est génial de grandir avec une génération de copains. Et un qui devient un acteur, l'autre réalisateur, un scénariste, etc. etc. Et pourtant, je n'ai pas l'âme du tout d'un mercenaire. C'est juste que les choses ne se sont pas faites comme ça. Voilà. Mais. Non, je t'en prie. Tu trouves que dans ta carrière, tu as une carrière un peu, pas de solitude, mais on a une carrière d'acteur seul? Non, mais jamais. Enfin, on est toujours un peu tout seul hein, face à tout ça, parce que c'est un métier qui peut générer beaucoup de doutes, d'angoisses, de réflexions. Voilà. Donc, pour en revenir à ta question sur le conseil, je dirais si vous êtes jeune acteur, et le meilleur conseil que je donnerais, c'est de bien jauger son désir de faire ce métier. C'est-à-dire d'être honnête avec soi et de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que ça tient d'une vocation ou ça tient d'un moment dans ma vie où j'ai envie d'essayer comme ça? Il faut être très honnête avec soi parce que ça peut être dramatique. L'échec peut être dramatique en réalité. Être très honnête, il y a peu de gens qui vivent de leur métier, qui choisissent d'être acteurs. Il y en a qui bifurquent vers d'autres voies, qui s'en sortent autrement. Donc, dans les moments où c'est plus difficile, où il y a moins de travail ou quoi, et on a tous des moments comme ça, de désarroi ou voilà, de moments plus où il se passe moins de choses, il faut avoir je pense, c'est mon point de vue, hein, mais une vocation un peu ancrée, quelque chose dans lequel on va puiser pour se ressourcer et continuer et s'accrocher. C'est un métier où il faut la patience est vraiment le meilleur ami de l'acteur. Il faut être patient et garder, entretenir ce qui vous a fait choisir ce métier au départ. Voilà, si tant est que ce soit une vocation. Mais il faut s'accrocher à ça. Faut qu'il y ait, je pense, quelque chose de centré, de vital. Parce que si on est attiré par la superficialité de ce métier, hélas, ça ne sera pas suffisant pour tenir et pour. Et en plus, je pense que c'est pas moteur. C'est pas moteur. Voilà. Donc, il faut être ancré. Il faut avoir autre chose. Il faut. C'est très un métier compliqué. C'est paradoxal parce qu'il faut à la fois s'oublier et donner beaucoup. Il faut une grande disponibilité pour être acteur. On peut pas faire ce métier comme ça à mi-temps, quoi. Faut s'impliquer. Voilà, corps et âme. S'il n'y a pas 1 cm² de toi. Qui n'est pas là-dedans, c'est pas, c'est voilà. Encore une fois, j'ai pas de règles, je suis définitif sur rien parce que je crois vraiment qu'il n'y a pas un acteur ou une actrice qui envisage ça de la même façon que l'autre. C'est vraiment chacun. Il y a des gens qui arrivent là par hasard, sans l'avoir véritablement choisi, et qui se trouvent là-dedans, et qui sont très heureux, et qui font de grandes et belles carrières. Il y a des gens qui ont beaucoup beaucoup de talent, qui crèveraient de ne pas jouer et qui ne travaillent pas. C'est comme ça. On connaît beaucoup des gens qui ont énormément de talent qui ne travaillent pas, honnêtement. Honnêtement.
Je connais des gens qui ont du talent et pour lesquels c'est difficile. Mais le talent, c'est pas seulement être bon acteur, hein. Oui, j'entends bien. C'est quelqu'un qui a Le travaillé sur talent, c'est pas lui. juste et bien faire son métier, c'est plein de choses. Je pense que j'aurais peut-être dû être à certains moments un peu plus politique. C'est-à-dire que c'est un métier, c'est un métier humain. Donc on rencontre des gens, etc. Voilà. Et tu ne peux pas dire toujours ce que tu penses au moment où tu le penses. Parfois, il faut voilà, savoir compter davantage, etc. Aussi calculer, anticiper et être dans une logique beaucoup très arriviste et manipulateur pour avancer. Et bon, c'était moins mon truc. Donc, c'est plus un rapport à l'autre, si vous voulez, qu'il faut, je pense, savoir mesurer. Voilà, c'est être politique, c'est avoir le sens de ce qui est important ou pas à dire au moment où on s'exprime parfois. Voilà. C'est un métier humain, c'est un métier de gens qui sont en vase clos pendant des semaines pour faire un film, de cinéma, de télévision, etc. Voilà, donc c'est forcément, tout est un peu comme ça exacerbé. Avant le Covid, c'est quand même un des rares métiers où des gens qui ne se connaissent pas se claquent la bise dès le premier matin. Ça, c'est bon, moi, je suis ravi, j'étais plus de l'école, coucou, bonjour à tous. Voilà, mais c'est comme ça, c'est un métier où il y a une intimité. Accélérer. Donc, si tu rencontrais ton acteur ou ton actrice préférée, qu'est-ce que tu lui poserais comme question? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Bon, je suis plus intéressé, sincèrement, hein, ce ne serait pas une question d'ordre professionnel, c'est plus. J'ai rencontré vraiment des gens que j'admirais et ce que je trouve agréable, c'est de faire simplement connaissance. C'est de ramener les choses à vraiment une rencontre la plus simple et naturelle possible, justement. Je me garderai bien de dire tout de suite combien je l'admire, combien ci, combien ça. Et j'essaierai juste je me délecterai du plaisir de la rencontre. Voilà. Vraiment très simplement de voir de parler de choses et d'autres, on s'en fout. Il pleut, tiens, ouais, pas de chance. J'en sais rien. Mais des choses très simples, voilà, je ne vois rien d'autre. Je ne suis pas avide de conseils ou de curiosités ou d'anecdotes ou de choses comme ça. Tu l'as jamais été? Comment? Tu l'as jamais été? De. Avide d'anecdotes, de conseils, de choses comme ça. Si, non, non, j'adore les histoires, j'adore mon métier, j'adore les histoires sur les films, sur les acteurs, les biographies, les autobiographies, bien sûr, j'adore ça. J'adore les acteurs et les parcours de chacun. Je trouve ça à chaque fois fascinant, passionnant. Mais je n'ai pas le réflexe, si tu veux, d'aller demander ou de forcer ce genre de conversation. Pas du tout, je n'aime pas rentrer dans le. Tu trouves Non, que je ne suis pas journaliste. parce que tu trouves que poser des questions, il y a quelque chose de forcé? Non, pas forcé, mais je préfère vraiment m'intéresser à l'autre et rencontrer l'autre de façon naturelle et Oui. pas sans imposer ou être intrusif. Voilà, la présence de l'autre, si tant est que je l'admire en plus, comme c'est le sens de ta question, je n'irai pas gratter. Je préfère être dans quelque chose de très le plus simple possible. Et voilà, et tant mieux si on s'entend bien, croiser les doigts pour que ça fonctionne. C'est ça en fait. C'est peut-être très vaniteux, hein, mais on a toujours envie quitte à admirer quelqu'un, on a envie de d'abord de ne pas être déçu par la personne, parce qu'il y a parfois une distance entre la vitrine et l'arrière-boutique, et puis et ensuite de plaire aussi, envie d'être aimé par les gens qu'on admire, c'est naturel. Et tiens, j'aimerais bien qu'ils me regardent et qu'ils disent, tiens, il est sympa, ou j'en sais rien, ou. C'est bien comment il fait ça, ou je ne sais pas. Enfin, c'est très naturel, c'est très basique. Hein. C'est, voilà, ça n'a rien de particulier. Et je repense à ta question sur le conseil aux jeunes gens qui voudraient faire ce métier. Je me dis, est-ce que j'aurais pu dire quelque chose qui aide vraiment? Mais vraiment, à part être bien jaugé l'importance de faire ça. Ah oui, il y a un truc où souvent
quand on a, je ne sais pas, 18, 20 ans, on a des aspirations, on veut faire. Moi, je rencontre des jeunes gens qui me disent, non, je veux faire vraiment du cinéma d'auteur. Je veux vraiment faire, moi, je suis intéressé par tel, tel et tel metteur en scène, sinon ce métier, non, ça ne m'intéresse pas. Et bon, c'est toujours, je pense que non, quand on démarre, il faut jouer, quoi. Il faut jouer, il faut tout accepter. Enfin, il faut y aller, il ne faut pas être snob. C'est surtout pas. Surtout pas. Il n'y a rien de pire qu'un acteur, je pense, snob. Il vaut mieux être montré ce qu'on sait faire et être bon dans quelque chose qu'on estime peut-être pas fantastique que se savoir très bon chez soi, tout seul, sans tourner. Ça, je pense que ça n'a aucun intérêt. Un acteur, il est acteur quand il joue, donc il faut jouer. Et il en sortira toujours à un moment quelque chose de bien, d'intéressant, mais voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Avec